Le CRAC est une commune littorale, euh, aujourd'hui euh, sous pression. Et donc, euh, on présente deux, trois actions fortes de régulation euh, face à cette pression. C'est euh, le Boceno, un projet urbain qui, qui mêle accession à la propriété pour des jeunes couples, euh, logements sociaux, accession aussi euh, privée, mais euh, avec un, un équilibre pour que justement nos jeunes puissent euh, habiter le territoire et qu'on puisse réguler ce, ce foncier qui devient. Euh, qui devient fou. Le projet en lui-même, euh, on n'avait pas de foncier. Et donc, dans le dernier plus, on a voulu faire une maîtrise de 7 hectares en mettant une orientation d'aménagement, en disant que ce sur ce périmètre, qui était euh, du privé, hein, donc il y avait un certain nombre euh, d'acteurs privés avec des indivisions, donc il y avait plusieurs propriétaires, de se dire que demain, il partissait constructible. Mais que le, le deal, c'était que demain, on puisse aussi gérer la moitié de cet espace avec un accord avec les propriétaires, un hein, financier, mais en tout cas pour avoir une maîtrise foncière et, et, et là aussi guider notre chemin, notre projet politique. Alors une AFUL, c'est une association foncière libre, c'est-à-dire qu'au sein d'une association, on regroupe, nous, acteurs de la mairie et des acteurs privés, et que euh, sur ce projet-là, où on a une orientation d'aménagement, on parle ensemble et on fait le projet ensemble. Donc ils ont la moitié de leur terrain qui reste privé. Nous, on prend la moitié avec un prix qui nous ont fait plutôt euh, euh, en dessous du marché, pour que là aussi, on puisse faire un projet euh, euh, avec ces 20% de logements sociaux, d'avoir aussi un projet global de voirie, euh, d'une prise en compte des enjeux, notamment euh, liés à l'eau, par exemple. On va créer euh, des noues, on va travailler sur le, le, la végétalisation aussi de ce, 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 ce projet. Donc, c'est, euh, je dirais, c'est un, un projet donnant-donnant. L'enjeu aussi de ce projet, il faut se remettre dans la configuration de notre territoire. On est sur un territoire où les communes qui sont juste devant nous sont à 60-70% de résidence secondaire. Nous, craque on n'est qu'à 20%. Donc, c'est une vraie volonté de, de ne pas subir ce phénomène aussi de résidence secondaire, même si on ne maîtrise pas le marché privé. Mais en tout cas, de dire que nos territoires doivent vivre et doivent avoir des actifs. Et avec un souhait aussi, je le dis, mixité sociale, mais générationnelle. C'est que je ne, voilà, euh, on pourrait avoir un littoral qui vieillit. Vous regardez toutes les cartes en Bretagne. Donc cette brise riviera, on la, on la voit, mais on ne souhaite pas la subir. Donc euh, c'est pour ça que ce projet d'affût a été mis en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous regarde beaucoup sur ce projet où on a pu aujourd'hui euh, vendre 40 euh, terrains à des prix euh, battant toute concurrence, à des prix moins accédants. Ce qui nous permet aussi de maintenir nos écoles, d'avoir une dynamique dans le bourg, euh, on a 30 logements sociaux qui vont sortir, donc euh, voilà. Toutes ces approches-là peuvent être aussi périclitées par, euh, à un moment donné, euh, bah, des gens qui peuvent revendre bien. C'est-à-dire que là, on fait des prix euh, sur 10 ans euh, voilà, euh, intéressants, mais sur 10 ans, ils vont euh, pouvoir peut-être demain le vendre et puis multiplier par deux ou trois. Donc là, on met des clauses en fait, anti-spéculatives, notamment sur le prix du terrain. Il y a peut-être des choses peut à revoir dans le temps. Peut-être qu'on reverra aussi des systèmes demain sur d'autres projets. Bon, en tout cas, la première volonté, c'était de se dire on met des clauses antispéculatives pour qu'il n'y ait pas de revente immédiate ou en tout cas, s'il y a des ventes avec des plus-values, il y a un reversement à la commune. Ce qui est formidable, c'est que je rencontre tous ces gens, donc forcément. Super content d'habiter ce territoire. Autrement, si on n'avait pas fait ce projet-là, ils n'y habiteraient pas. Euh, une proximité avec l'école, le centre de loisirs, parce que tout peut se faire à pied, en vélo, on travaille sur les chemins de Mandou. On se rend compte que l'action publique est là pour, pour eux. C'est le rôle des élus de montrer que cette volonté, en tout cas affichée, qu'il faut, il faut réguler voilà, le système.